Jérôme, bien qualifié, cette fille de prodigieuse. Oui, très bien qualifié. Il y a 3 semaines à moi, je l'avais emmené travailler à Anguin pour qu'elle découvre l'hippodrome et déjà, elle m'avait fait belle impression ce jour-là. Et l'autre jour à Amiens avec Philippe, c'est mal passé, mais c'est une jument qu'il faut absolument prendre son temps en partant et après, elle peut faire 500 mètres très intéressant. Ouais, là, les partiels sont pas mal du tout. Oui, surtout moi, mon GPS, j'ai les derniers 400 mètres qui sont en 15, donc je suis très content pour cette jument-là. Alors, deux paires de cloches devant, elle a vraiment besoin de beaucoup de poids? Oui, elle a besoin de beaucoup de poids. Elle a des combipanes, elle a un peu mal aux pieds et du poids pour l'instant, c'est mieux d'avoir du poids pour l'instant que de ne pas en avoir du tout à cet âge-là. Alors, c'est la grande forme pour toi. Hier, tu as gagné à Nancy et puis là, tu qualifies bien. Oui, ouais, pourvu que ça dure. Jérôme, encore une rédicage qui se qualifie. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Les sensations sur le kit? Oh, très très bonnes. Elle croise un peu comme ça, mais très très bien. Je choupis trop toute la route. Ouais, quand t'as accéléré en face, c'était beau. Bah ouais, le mec devant moi était mort, donc je suis sorti, je pourrais rester là, puis j'ai laissé filer gentiment à ma main. Tu peux nous parler un peu d'elle? C'est quoi la suite du programme? Est-ce qu'elle a beaucoup de travail pour faire ça? Oh bah, chez Philippe, ils ont toujours un peu de travail derrière eux, mais je pense que ce que m'a dit le chef, normalement, est peut-être la courir monter. Bon, on prévient Yoann Le Bourgeois. Donc voilà, maintenant c'est le chef qui va décider. Merci. Quel joli petit nom, Chatouche. C'est pas moi qui l'ai nommé. C'est pourtant étonnant. Ouais, ça c'est malvenu de votre part, Yann. Bon, parle-nous de ce grand poulain, il a du modèle. Ouais, c'est un beau grand poulain. Il va aller se reposer un petit peu parce que c'est un poulain qui n'est pas encore venu. Là, les sensations que tu as eues, Suki? Ouais, des bonnes sensations, il n'était jamais sorti de la maison. Et vraiment, très très bon comportement, très sérieux, un cheval de course. Ouais, et on va le voir débuter quand? Dans l'hiver. Là, il va repartir un mois ou deux au champ, il va se repréparer dans l'hiver, au mois de février-mars. On avait vu une bonne pouliche se qualifier, je crois que c'était Charmante. Et par rapport à elle, tu l'estimes comment? Ben, c'est un cheval qui... moins précoce. Il est moins précoce que Charmante. Je pense que Charmante va courir, sûrement débuter à Laval le week-end prochain. Lui, on va attendre. On va attendre un peu pour débuter. Romain, est-ce que t'étais fâché? Oh non, pas du tout. En plus, je me suis retrouvé devant, mais après, il n'y avait personne pour m'accompagner. Mais c'est lui qui m'a emmené pendant 2000 mètres. Hein. Ouais, 18,5, est-ce qu'il t'impressionne?
Bah moi ça fait que 8 jours que je l'ai, alors je l'ai trotté deux fois. Bon, et ouais, c'est sûr qu'il m'avait l'air qualifiable, il est un peu délicat dans la bouche et tout. Mais non, c'est un poulain qui trotte, hein. En plus il doit pas être forcément venu encore, donc ça devrait pas être mal. Alors il est arrivé chez toi par quel biais ? Eh ben c'est Monsieur de Souza qui l'avait acheté chez Jean-Étienne Dubois. Et il était chez Jean-Étienne jusqu'à présent, mais Jean-Étienne m'avait dit tu peux aller au qualif, tu vas le qualifier. Bon, il s'est pas trompé, nouvelle fois. Non, heureusement. La suite pour lui, on le voit débuter quand ? Alors, je pense l'année prochaine, même Jean-Étienne m'avait dit qualifie-le et puis sûrement laisse-le tranquille, donc ouais, sûrement l'année prochaine. Bon, le nom me plaît bien, les origines aussi, et toi ? Ouais, moi il me plaît bien aussi. C'est un pareil, c'est un grand poulain qui va repartir au pré. Il va être bien pour l'année prochaine. Et là, on t'a vu prendre toutes tes aises dans les tournants. Non, mais ouais, le cheval il pousse un petit peu à droite. C'est sûrement un petit peu de croissance, donc c'est pour ça qu'il a poussé un petit peu en dehors pour finir. Donc, faut pas me charrier, monsieur Ayoun. Bah, je fais pas exprès de prendre le tournant à 3 alors qu'il y a personne en dedans. Ah, c'est pour bluffer un petit peu l'adversité. Bah c'est, ouais, c'est pour. J'ai peut-être un gros client sur l'affaire. Alors j'ai fait tout le parcours à 3 et que j'ai passé 20, donc si je fais bien la corde, je passe peut-être 18. Bon, alors si j'ai bien compris tes propos, c'est un cheval qui va rester tranquille cet hiver. Ouais, ouais, vous avez bien compris, bien tout compris, Yann. Tu peux me tutoyer. Je peux te tutoyer. Je sais pas si on se connaît assez, je suis un petit peu introverti comme ça. Et ouais, non, mais c'est un poulain sympa. Le crocodile, ça passe l'hiver au chaud. Prochain gagnant, Louis Baudron. Oh là là, je sais plus. Moi. J'ai tout vendu, j'ai plus tout à courir. Même des galopeurs, on prend. Ouais. Ah oui, Reine des Abeilles. À Compiègne, je sais plus. Enfin, Reine des Abeilles, la prochaine fois. Compiègne.